Salut les petits loups! Sérieux, tu commences comme ça? Non, allez, yo tout le monde, c'est Rexo. Oui, on se retrouve donc pour la vidéo spéciale du résultat de mon concours pour les 200 abonnés. Oh, je m'en souviens, c'était comme si c'était hier. Tu sais, avec Marcel, avec ses blagues de merde. Oui, bien sûr. D'ailleurs, à ce propos, Marcel n'est pas là. Parce qu'il a pris des vacances, voilà. Oui! Non mais c'est bon, on va dehors, on a compris. Attends, je refais. Oui! Coupé. Ben quoi, ça y est, il est enfin parti ce loser. Oui, mais pour quelques jours, c'est pas plus. Bah tiens, d'ailleurs, on va le remplacer. Par qui? Ah ah! On va donc le remplacer par un autre invité, Gimli le nain. Salut à toi, oh Gimli, fils de Loïc. De Gloïc. Ouais, c'est ça. Ah bah bravo, si maintenant tu tombes sur le nom de mon père, je te jure que je vais te casser la tête. Oh, je l'aime bien déjà. Pas la barbe de Smaug, mais qu'est-ce que je fous ici? Eh bien, tu es là pour remplacer Marcel pour un petit moment pour la vidéo du résultat des concours. Non. Bon, en fait, contente-toi juste d'être figuré. D'accord. Bref, maintenant, nous allons donc annoncer les résultats, mais pas tout de suite, puisque je vais d'abord faire un point sur le concours. Déjà, il n'y aura pas de deux parties, parce que je n'avais pas envie, j'ai la flemme, voilà. Donc, il n'y aura qu'une seule partie, et c'est tout, voilà. Ensuite, déjà, je vous remercie à tous d'avoir participé. Vous étiez 12 participants. Bon, il y en avait plus, parce qu'en fait, sauf que le problème, c'est qu'ils ont un peu dépassé la date dernière, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ça se bouffe, maintenant? Non, non. Ah, très marrant. Non, 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 ce que je veux dire, c'est... voilà, ils n'ont pas vu les inscriptions à temps. Voilà, donc j'ai pu vous disqualifier, malheureusement. Mais il y a eu 12, sinon. Il y en a qui ont fait quelques mocs pour mon concours, et ça c'est bien. D'autres qui n'ont... On va pas dire qu'ils n'ont pas eu le temps, mais je vois qu'ils n'ont pas pu faire un mock pour moi, donc j'ai pris votre dernier mock. Ça va, je suis assez tolérant, je ne suis pas... Enfin, je ne suis pas non plus très méchant, donc je vous enlève pas des points, voilà. D'ailleurs, il n'y a aucun système de points. Vive la logique, avec toi. Ah oui, j'avoue. Mais comment tout fait alors? Bah, rien, je classe... Mais dis-moi un peu, t'es pas avec les elfes, toi, par hasard? Non, non. Tabasse-le, tabasse-le, tabasse-le. Arrêtez tout de suite, bordel, sinon on va jamais finir la vidéo. Et je vous jure que si vous faites encore une moindre connerie, je ramène Smaug le dragon. Sérieux? Tu es sérieux? Oui, je suis sérieux. D'accord, d'accord, d'accord. D'ailleurs, pourquoi est-ce que les nains, ils peuvent pas s'asseoir? Parce que les nains, eux, ils ont pas la flemme de s'asseoir. Et bon, bah voilà, bref. On va pas s'éterniser sur ça, donc déjà, déjà je vous remercie d'avoir participé à mon concours. Vous avez tous bien respecté les règles, les quelques petites règles vite fait de mon concours, hein, c'était pas non plus des règles compliquées, non, à apprendre. Donc ça c'est plutôt cool, il y en avait même deux qui ont fait d'un mock sur la rébellion, c'est-à-dire l'Empire contre les rebelles. Il n'y a pas eu de mock The Old Republic, bon, enfin, c'est un peu normal, on n'a pas tous acheté des sets, et puis il n'y avait pas beaucoup de sets The Old Republic, c'est vrai. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Bref, donc, sinon tout le reste, c'est que des Clone Wars, The Clone Wars. Putain, franchement, ils pensent qu'à ça, eux. Non, mais c'est vrai, imaginez, ils mettraient que je sais pas, moi, le Hobbit. C'est vrai, quoi, il n'y a pas que le Hobbit, il y a le Seigneur des Anneaux. Oui, oui, c'est vrai, mais bon, on ne peut pas comparer Star Wars et à l'univers de Tolkien, c'est pas pareil. Comment ça, pas pareil? Non, non, rien, rien. Bref, maintenant, on va donc annoncer les résultats. Tout d'abord, déjà, bien sûr, il n'y a pas de critique à mort sur vos mocs, hein, je ne suis pas là pour insulter vos mocs et tout. Non, bien sûr que non, je fais ça dans le respect. Et puis, pour moi, vous avez tous fait de bons mocs, et vous avez tous essayé de faire... Non, pas tous essayé, mais pour ceux qui n'avaient pas fait vraiment de mocs pour moi, voilà, c'était c'était autre chose. Voilà, alors on va commencer par la 12e place. Le 12e est Rex Legoprod. C'est quoi ce nom de... Non, c'est bon. Alors, Rex Legoprod, donc, tu m'as fait un petit mock kashyyyk. Franchement, comment... Déjà, en plus, il participait au concours de Seji Tailleur. Alors, je dis pas que ça m'énerverait, mais normalement... non, quoique, attendez, je... Non, non, en fait, il n'y a rien sur ça, ce que je veux dire, c'est vrai. Mais par contre, c'est un petit mock franchement assez triste, enfin pour moi en tout cas, il n'y a pas eu assez de détails. Puis, par contre, la logique de l'histoire, j'aurais pas très bien compris. Qu'est-ce que fout un maître Jedi Itorien avec la 41e? Enfin, surtout avec Gris. Enfin, je sais pas, bon bref.
Donc quand même, bravo à toi. C'est un peu triste, c'est vrai, mais bon, tu es là pour participer, je présume, hein. Pas pour gagner une PS4 et des putes. Sérieux? Quoi, sérieux? Non, bien sûr que non. Bref. Alors, ensuite, on passe à la 11e place avec Ordre 66 Productions. Par contre, j'aime bien ce nom. Bref, donc Ordre 66 Productions, tu nous as fait un mock sur Chris of 6 avec la 41e. Encore, ça va, ça pouvait passer. Par contre, la qualité de ta caméra est dégueulasse. Je suis désolé, j'ai presque pas vu grand-chose. Il faut vraiment que tu le changes. Enfin, je te rassure, hein, par exemple, ma première vidéo, elle était pas non plus super. C'était quoi votre première vidéo? Non, mais ça va. Voilà. Mais surtout après, c'était assez pauvre. Je trouvais un détail. Enfin, il y avait le décor était assez pauvre. Voilà, j'en suis désolé. Voilà. Mais ça va, t'es 11e, donc voilà. Ensuite, 10e. Lego Star Wars Story qui m'a proposé le mock Felucia. C'est assez coloré, mais aussi un peu manque de détails. Et puis bon. Voilà, après, j'ai pas trop compris l'histoire de ta mock, mais bon, c'est juste une bataille vite fait, je crois, c'est ça. Voilà, mais je t'ai mis 10e parce que tout simplement, bon, il y avait des forks. Comme j'ai dit, c'était assez coloré, mais après, c'était pas beaucoup détaillé, je trouvais. Voilà, mais moi non plus, je suis pas très fan des détails. Enfin, quoique ça pourrait arriver, mais bon, bref. 9e position avec Gergé Lego, donc Gergi, voilà c'est ça, qui nous a fait donc Patrol on Felucia, un petit mock très sympa avec les clones face à un du film, l'attaque des clones. Qu'est-ce que ça fout en fait? Je n'en ai aucune idée. Ah si, il disait que ça se passait après la bataille de Jovesis, donc voilà. Et donc en fait c'est assez coloré, par contre le milieu de ta mock est tout grise et un peu dégueu. Voilà. Mais c'est rien, sinon voilà, 9e c'est déjà pas mal. Donc bravo à toi encore. Ensuite, 8e place, on a donc Panzer Brick Production. Donc, Panzer Brick. Alors, ta mock sur Alderaan est pas mal, franchement. Mais le contenu de l'histoire, je ne comprenais pas trop. Oui, il faut savoir juste que l'histoire de la mock marque quand même assez de points, en fait, au final. Mais je crois qu'il n'y avait pas de points. Ouais, c'est vrai, ça. Non, mais voilà. Mais bon, aussi, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de détails. Voilà, je sais, je suis assez manique sur ça, mais... Et bon, vous me connaissez. Oui, bon, quelqu'un de très con, ça, on savait. Bref. Donc, tu es donc 8e. Et c'est plutôt cool. Voilà. En 7e position, nous avons donc Lego Jango Rex, avec sa moque Genesis, qui était vraiment pas mal, et franchement, je te félicite, hein, quand même. Les armes aussi custom étaient pas trop mal, c'est vrai, c'était pas mal. L'histoire était assez intéressante, je trouvais. Et puis voilà. Donc bravo encore à toi, Lego Jean Rex. Voilà. Ensuite, en 6ème place, avec un nom assez absurde que tel, Bilbo Baggins. Quoi? Bilbo Sacré? Non, Bilbo Baggins. Bilbo Sacré? Mais non, bon, laissez tomber. Alors, Bilbo Baggins, qui est l'un des. Un des candidats qui a fait un mock sur la rébellion. Cool. Donc il nous a fait une petite mock impériale, pas trop mal. Vraiment pas mal du tout, bravo hein, quand même. Mais par contre, je trouve que c'était assez vide sur certains passages. Et assez petit d'ailleurs. Bon après je sais pas si c'est le but. D'ailleurs, je t'ai pas dit, mais la taille des mocks ne comptait pas vraiment. Mais bon, voilà. Donc bravo encore à toi Bilbo Baggins. En plus, vous savez que les Hobbits savent faire des bons mocks Lego Star Wars. Ah, c'est vrai, hein. Je sais pas, Sauron pourrait peut-être faire des mocks Lego Friends. Bref, 5e position avec Kashyyyk French Lego Boy. Mais c'est quoi ce nom là? Non mais c'est bon. Alors, Kashyyyk French Lego Boy, donc j'ai pris ton mock Luke Skywalker sur Yavin. Alors, franchement, la mock était pas mal du tout. Hein. Franchement, il y avait vraiment des bonnes choses à dire. Par contre, je me souvenais pas que Luke Skywalker atterrissait comme ça sur Yavin. Parce que moi, la scène me faisait plus penser à Dagobah, en fait. Plutôt qu'à Yavin 4. Après, bon, bah voilà. Mais disons que ça faisait assez bizarre de voir cette scène. Et c'est un peu dommage parce que t'aurais pu propulser aller un peu plus loin. Et franchement, c'est vrai. Hein. Franchement, mais bon, bravo à toi quand même. Pour cette 5e place. En fait, c'est quoi le Kashyyyk? Non, rien, laisse tomber. 4e place avec Brick is Life. Wow, Brick sa vie? Ouais. Bref. Donc, avec sa mock
Outpost on Saugamai, si je me trompe pas. Ah, si je me trompe, Brislav, tu vas pas non plus me taper. Bon, bref. C'est pas vrai, en plus. Non, bref. Donc, Brislav, ton mock est vraiment génial. Ta base est plutôt cool. Par contre, j'ai trouvé juste que le champ de bataille était un petit peu vide. Je trouvais, hein, c'est tout. Mais sinon, franchement, c'était un peu dommage que certains trucs n'allaient pas et tout. Mais c'est pas grave. Enfin, en plus, t'as fait quand même un beau mock. C'est un peu dommage parce que t'aurais pu aller direct dans le podium. C'est vraiment dommage. Mais sinon, félicitations à toi aussi. Et maintenant, on va rentrer au podium. Ouais. Bref. En troisième position. C'est là qu'il y a une pub qui va arriver et que... Non, mais c'est bon. Bref. Donc nous avons... Waxer et Boy Cody. Pourquoi ? Et oui, l'ancien gagnant de mon premier concours et deuxième de mon deuxième concours, et c'est bizarre que je le dis, est passé direct à la troisième position parce que déjà, tu m'avais promis de faire un mob vite fait, mais... bon, voilà. Bon, après, bon, c'est pas grave, hein, j'ai pris un ancien mob, voilà, je ne vais pas non plus te faire stress à ce moment-là. Mais j'ai pris ta mock Coruscant, parce que, voilà... ta mock Coruscant est vraiment bien, enfin, franchement, sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'arbre dans le... Enfin, en fait, il n'y a même pas de parc sous Coruscant, je crois, hein, n'est-ce pas, Vador? Je m'en fous, mais je m'en bats les couilles, moi, je suis juste dans le temple de Jedi et tout, c'est tout. Ah, vous savez, si vous voyez la Terre du Milieu... Non, mais ça va, on a compris. Donc, voilà. Donc, tu es troisième. Oui, ça fait un peu mal, mais c'est pas grave. Hein, tu fais toujours de bons mobs, de toute façon, mais voilà, on peut pas tout gagner en deux mobs. Deuxième position. Ça a été dur, je vais dire les premiers. Franchement, je vous le dis tout de suite. On a Seiji Tailleur. Sérieux ? Oui. J'ai pris bien évidemment ta dernière mock, donc en trois parties. Bon, j'ai pris plus la troisième partie, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc c'était Dernière Chance, qui était vraiment un beau mock. Mais il y a eu quelques petits détails un peu erreurs que malheureusement tu. Voilà, tu aurais pu réutiliser ça. C'est que Palpatine ne peut pas être représentant leur diplomatie. Disons-le. Alors oui, c'est le chancelier suprême. Bon, déjà, c'est Dark Sidious en plus. Mais normalement, il pouvait envoyer un sénateur, comme Padmé, Bail Organa, Anaconda Farr, etc. Alors que le chancelier, lui, il a beaucoup de boulot à faire. Il va pas aller direct dans des diplomaties comme ça. Alors que Nguyen Ré, lui, c'est juste un vice-roi, c'est juste un mec commerçant. Donc lui, il va pas envoyer Doku. Enfin, c'est pas Doku qui va venir. Voilà, mais sinon, c'était un très beau mock, mais c'est un peu dommage que... Voilà, ça, c'est un petit peu, quelques petites erreurs, un peu bêtises, mais c'est pas grave. Mais t'aurais pu être premier, franchement, c'est dommage. Voilà. Et maintenant, on passe à la première place. Et maintenant, je sais celui qui sait, doit normalement savoir qui est premier. C'est, bien sûr... Wesh, c'est moi, Dark Vador. Eh oui, je vous ai tous niqué. Eh oui, je sais, ne me remerciez pas, c'est moi qui a gagné. Mais Vador, mais non, mais tu te dégages. Non, mais je sais. Allez, à moi la PS4, des putes. What the force? Bah dis donc, c'était violent tout ça. Ah, j'ai l'habitude avec Marcel et Vador maintenant. Vador, tu peux revenir? Ah bah mince, bon. Bon bref. Donc bien sûr, la première place est pour Rex du 33. Bravo à toi mon ami. Eh hey, mais attendez, il a déjà participé à une radio. Vous allez me dire... Oui. Bon, c'est pas... Disons que... Bon, bref, c'était aussi une exception, on va dire. Donc, bien sûr, Rex, tu t'emploies, donc t'as Mock, un trop pauvre. Sur une planète, par contre, je ne sais pas c'est laquelle. Bref, et tout simplement génial. J'ai vraiment adoré aussi qu'utiliser les LED. D'ailleurs, vous auriez pu l'utiliser, ça aurait été bien. Enfin, après, c'était pas obligatoire, bien entendu. Aussi LED, donc des lumières, mais aussi, c'est pour fonctionner le rail, enfin, la chaîne de montage. Enfin, non, pas la chaîne de montage, oh là là. Enfin, bref, la chaîne qui permet de faire avancer les caisses. Enfin bref, c'était génial. Aussi, c'était bien que la 101ème soit là. Les attaques droïdes, ça va. Ça passait, enfin, ça passait nickel. Et franchement, c'était un très beau mock. Franchement, bravo à toi, mon ami. Tu l'as vraiment bien mérité. Donc, tu participeras donc à ma review pour l'Imperial Star Destroyer. L'Imperial Troop Transport. Non, faut pas non plus exagérer que... Bref. Et puis bravo à vous tous, les autres, vous avez tous bien participé. Je sais que certains seront déçus, mais voilà. Mais ce n'est qu'un jeu après tout. Ah, et au fait, non, vous gagnerez pas de PS4 de pute. Déjà, parce que de 1, j'ai pas de prostituée, donc ça coûterait trop cher. Et puis quand même, je crois que, bon, l'amour c'était pas non plus ça, donc voilà.
De deux, je n'ai pas de PS4, mais si j'en avais une, je vous la donnerais pas. Par contre, si j'avais la Xbox One débile, et oui, je pourrais vous la donner. Pourquoi tu l'as dit débile? Oh, juste pour nerver les fans de Microsoft. Voilà. Bref, donc, eh bien, je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez apprécié ce classement. Donc voilà, comme je l'ai dit, soyez pas tous déçus. Voilà, c'est qu'un jeu après tout. Et j'espère que vous allez vous améliorer tous. Et puis, je prendrai rendez-vous avec Rex du 33 pour la review quand il voudra, enfin quand il pourra venir, enfin quand il sera dispo plutôt. Voilà donc pour cette deuxième review en plus avec moi. Et voilà. Bref, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez aussi regarder la vidéo spéciale de 100 bonus. Non, ça vaut du rien. Bref. Donc bref, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez liker, poster un commentaire ou sur mon Twitter. Allez, salut vous tous. Salut, bande d'elfes.